fini les plaintes. Eh bien salut les amis, c'est Kermano et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yuka Watch 3 en français. Je sais même plus combien, 76e épisode, quelque chose comme ça. Ça va tellement vite, hein, le temps où on était sur le premier épisode de Yuka Watch 3. Non, c'était pas il y a si longtemps que ça. Enfin, c'était pas cette année d'ailleurs, c'était l'année dernière. C'était en fin d'année dernière, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais dans tous les cas, ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on est très bientôt sur Yuka Watch 4, qui s'annonce toujours aussi moche et pas fluide. Mais toujours aussi bien quand même. Non, il est pas moche le jeu. Justement, à mon avis, il est pas fluide parce qu'il est pas moche. Bref, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et donc, on est parti pour... Ok, pas de télémire de poche. On est parti pour battre normalement un nouveau boss dans cette vidéo. On m'a suggéré de faire cette mission, donc c'est parti. Il faut aller à l'agence de détective Kipion. Voilà, et normalement on va prendre une nouvelle requête. Alors je pense que je changerai d'équipe, comme d'habitude, pour prendre une équipe qui correspond plus au niveau du boss. Mais je sais pas du tout quel niveau aura le boss, hein. Ça se trouve ce sera très haut, ça se trouve ce sera très bas, hein. Bonjour, comment allez-vous Tapure? Alors, dans tous les cas les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et... Eh ben mince, je peux pas la faire la mission, je l'ai pas. Ah, je croyais que je l'avais. Non, je l'ai pas. Ok, bah, je vais plutôt faire celle-là alors, parce que celle-là on m'en parle aussi depuis longtemps. En fait, je voulais faire celle de Robonian F. Ou U. Robonian U, Robonian F. Non, c'est Robonian U, je crois, qui s'appelle Robonian Ultra. Je sais plus. Je voulais faire elle, mais en fait, apparemment, je peux pas la faire. Ouais, c'est bizarre. Mais on m'a dit de toute façon qu'il fallait que je fasse celle-là parce qu'elle était aussi intéressante. Un yokai a besoin de nous pour un entretien d'embauche. C'est au dernier étage de la tour de commerce de Grandval. D'accord. Un yokai pour un entretien d'embauche. Très bien. Voyons voir. Tu veux qu'on t'accompagne pour un entretien? Oui. Un entretien? C'est un type de burger? C'est une sorte de test qu'il faut passer pour être embauché quelque part. C'est en général un tête-à-tête avec un employé qui te pose des questions. Je ne veux pas y aller tout seul, j'ai peur que le courant ne passe pas bien. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup confiance en toi. Oui, je sais. Tout va bien se passer. Laisse-nous faire, on va t'aider du mieux possible. Merci, ça me rassure. Il est trop mignon, lui. Bon... On se retrouve à la tour de commerce de Grandval, la nuit. Ah bah ça tombe bien, c'est déjà la nuit. On y sera sans faute. Alors, la tour de commerce. Alors, attendez. Attendez, la tour de commerce, quoi? C'est quoi ça? C'est à côté de la clinique? C'est au centre-ville? J'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est ça, c'est au centre-ville, non? Voyons voir. On apparaît où, là? Je sais plus, c'est la clinique, non? Ouais. J'ai pas mis la flèche. J'ai pas mis la flèche. Ça m'a pas proposé. Ça m'a pas proposé de mettre la flèche, je crois pas. Donc allons-y, attendez, c'est la quête qui... Bah si. Tour de commerce la nuit. D'accord. Bah. Alors, soit il y a un bug, soit il est pas assez tard dans la nuit. C'est peut-être ça, attendez, comment on fait? Ah oui, vous voulez dire que c'est genre passé minuit? Ok, probablement. Voilà, ok, je suis allé dormir jusqu'à minuit. Enfin, j'imagine que c'est minuit. Ouais, parce qu'en fait, elle est bizarre cette horloge, hein, quand même. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que, genre, là-haut, ça peut pas être minuit, parce que là-haut, genre, c'est le matin qui commence. Donc, ça doit plutôt faire 6h, midi, 9h, minuit. Je pense que ça doit faire ça, hein. Enfin, vous l'avez vu à l'envers, parce que sur mon écran, c'est à l'envers, mais je pense que c'est ça. Ce qui est pas très logique, genre, normalement, les horloges, on les tient pas dans ce sens-là, mais pourquoi pas. Bref, alors, donc, on retourne, clinique, bonne nouvelle. Je pense que c'est dans le coin, ça doit pas être là où le papa de Nathan y travaillait. La tour du commerce. Si, ça doit être ça. D'ailleurs, je peux y rentrer la nuit. C'est pas censé être fermé, ce truc, en pleine nuit. Bah, pas dans le monde des yokai, je ne sais pas. Voyons voir. Mais ouais, c'est ça, c'est la tour, c'est les bureaux. Ouais, d'accord, c'est la tour où travaillait le papa. Enfin, oui, travaillait d'ailleurs, parce qu'il y travaille plus vu qu'il travaillait au Japon. Enfin, il travaillait aux États-Unis. Bah non, il est revenu au Japon. Donc peut-être qu'il retravaille là, j'en sais rien. D'ailleurs, le papa de Ariane travaille où? Ok, c'est ouvert en pleine nuit, pas de soucis. Ok, d'accord, très bien. Pourquoi pas. Salut Watson. Oh, détective. On est là, comme promis. Allez, en route pour l'entretien! À ce propos, l'entretien est au 13e étage!
Mais on dirait que l'accès à l'ascenseur est restreint. Oh! Du coup, je ne peux pas aller à mon entretien. Que quoi? On va trouver un autre moyen. Fouillons le rez-de-chaussée. D'accord. Ok. Il faut que je trouve genre une clé ici, c'est ça? Attendez. Ah, d'accord, et bien entendu, si ça fonctionnait, ça aurait été super bizarre. Il doit y avoir un yokai dans le coin, non? Comment je fais revenir le radar? Voilà. Non, il n'y a pas de yokai dans le coin? Ah, si. Un tableau... Ah non! C'est une porte, là? C'est le portail... Non, mais il y a une porte, là, non? Attendez. Aïe! Aïe, d'accord, il va me falloir quel yokai. J'avais pas prévu ça, en fait. Mince! Tableau blabla. Voyons voir. Porte un costume sable, tenue impeccable, employé modèle. Oh non. Oh non. Monsieur Felipe. Mais Monsieur Felipe, c'est pas grave difficile de l'avoir. Mon Dieu. Eh bien, les amis, je me suis dit, allez, c'est bon. J'étais prêt, genre, soit à arrêter cette vidéo et à recommencer une autre fois, vu que j'avais pas sauvegardé, soit à échanger, comme j'aime bien les solutions de facilité, avec quelqu'un sur le serveur Discord, un Monsieur Felipe. Puis je me suis dit, non, non. Parce que Monsieur Felipe, je sais que c'est une question qui revient souvent. Vous êtes pas mal dans les commentaires à me demander comment on est à Monsieur Felipe. Et donc je me dis, bah, ce serait pas juste si je récupère Monsieur Felipe en faisant un échange alors que vous, vous galérez peut-être à l'avoir. Surtout qu'en fait, c'est pas difficile. Enfin, ça peut être long, mais c'est pas difficile. Il faut avoir au moins un ticket de loterie. Le mieux, c'est d'en avoir quand même un petit peu plus que un. Moi, j'en ai 12, mais c'est largement suffisant, 12. Hein. En gros, je pense que vous en avez 4-5, c'est déjà bien assez. Donc, merci à Kayla, Inkling et l'Alien85 YouTube, trois personnes sur le serveur Discord qui m'ont expliqué comment faire pour l'avoir. En fait, c'est extrêmement logique, c'est juste qu'il faut y penser. Mais moi, ce que j'avais pas compris, d'ailleurs, ils se sont trompés aussi, hein, ce qui fait que ça m'a fait perdre 45 minutes quand même de tournage, non mais c'est pas grave, je vous en veux pas, c'est qu'en fait ils m'ont dit que c'était le premier prix de la loterie, à la bonbonnière, bonbonnerie, je ne sais pas quoi, c'est pas le premier prix en fait, c'est le prix du dernier triangle, donc ça faisait qu'à chaque fois je resetais la loterie et je le voyais jamais arriver, ça fait 45 minutes que je suis en train de reset et je le trouvais pas, donc merci et à moitié pas merci quand même, mais et en fait oui parce que c'est le prix du dernier triangle qui est sur la deuxième page, alors... En gros, le prix du dernier triangle, c'est pas de la chance. Tous les autres prix, ils sont uniques hein, dans la loterie. Genre quand tu pioches, tu les as... t'as des chances de les avoir. Hein. Tu peux avoir le premier, tu peux avoir le 20e, etc., etc. Enfin, on peut plus avoir le 20e, il a déjà été tiré. Mais le prix du dernier triangle, c'est pas du hasard. Il est forcément dans le dernier triangle. Il ne peut pas arriver avant. Donc pour ça en fait, première chose déjà je vous montre l'endroit où c'est. C'est chez Mamie Suzette et donc c'est, je pense que vous le savez, à côté de, au fil du temps, à côté de là, genre ici au Coteau Fleuri. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous allez chez vous, avec Nathan Warian comme vous voulez, je préfère prendre Nathan parce que dans la liste des Télémires, la maison de Nathan elle est tout au début. Hein. Mais ça marche aussi avec Ariane. Vous prenez Nathan Warian, vous allez à la loterie. Donc à la bonbonnière, la bonbonnerie, bonbonnière, voilà. Vous regardez si le dernier triangle, il y a le prix de Monsieur Felipe dedans. S'il n'y est pas, vous allez chez vous, vous dormez, vous revenez, vous regardez. S'il n'y est pas, vous revenez chez vous, vous dormez, etc., etc., etc. Ça, c'est la première étape jusqu'à ce qu'il apparaisse. Sachez que j'ai constaté que le... Les loteries, en fait, elles changent pas tous les jours. Genre, au fur et à mesure des jours, il y a de moins en moins de prix disponibles, mais c'est toujours le même tirage, jusqu'à ce que l'intégralité des triangles ait été piochée. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour que tout un tableau de prix disparaisse, il faut entre 3 et 4 jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais chez moi, je dors 3 jours, et si jamais le prix n'y était pas, hein, s'il n'y avait pas le bon prix, je vais chez moi, je dors 3 jours, je retourne à la bonbonnière. Bon, des fois, je dois dormir un jour de plus, mais voilà, comme ça, c'est pas la peine de dormir, aller à la bonbonnière, dormir, aller à la bonbonnière, parce que ça peut être très long. Donc voilà, vous dormez 3 fois de suite, et vous retournez à la bonbonnière. À partir du moment... où là, comme vous venez de le voir, il est apparu en dernier triangle. C'est là qu'il faut faire attention. Donc le mieux, c'est de sauvegarder. Hein, on sauvegarde, c'est assez important finalement. On retourne chez soi, on dort.
Et en fait, il faut pas trop dormir. Parce que si on dort trop de fois, le dernier triangle, il peut finir par être pioché. Donc, il vaut mieux pas quand même. Moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais dormir deux fois. On va aller voir combien il reste de prix. Et on jaugera par rapport à ça. Donc là, on dort une première fois. Et j'ai sauvegardé avant, parce que comme ça, si jamais je dors trop de fois et que ça reset le prix, et bah, genre, je pourrais reprendre ma sauvegarde, quoi. Ce qui est quand même un petit peu mieux, parce que j'ai pas envie de repasser 45 minutes à le chercher. Même s'il est probablement pas si rare que ça. C'est juste que, bah, voilà, je croyais que c'était le premier prix et je regardais même pas sur la deuxième page. Et donc, voilà, en tout cas, il faut au moins avoir un ticket de loterie, hein, bien sûr. J'imagine que c'est mieux si vous en avez plus, comme ça au niveau de la chance, vous n'avez pas besoin de venir quand il reste plus que un seul prix. Mais en gros, ce qu'il y a, c'est que si vous en avez zéro, c'est obligé que vous l'aurez pas, quoi. Mais moi j'en ai 12, donc ça va, c'est très bien. Les tickets de loterie Kirbendo d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent un peu, enfin on peut les appeler comme ça. Bah oui, parce que je vous le remontre hein, pour ceux qui l'ont pas vu, mais les tickets de loterie, c'est littéralement des objets Kirbendo, regardez. Attendez. Voilà, utilise-la à la bonbonnière, remporteras-tu le gros lot Kirbendo. Et je sais qu'il y en a plein dans les commentaires qui sont venus me dire « Ouais Kirbendo, tu mytho, parce que je suis sûr que si quelqu'un il s'appelle par exemple Nathan et qui démarre sa game, dans les parenthèses il y a marqué Nathan et pas Kirbendo. » Et tous les gens qui me disent ça, c'est des gens qui soit n'ont pas de ticket de loterie, soit n'ont pas le jeu. Hein, parce que tous les gens qui ont le jeu, ils ont vérifié, il y a bien marqué Kirbendo. Sauf ceux qui n'ont pas mis le jeu à jour, hein, parce que c'est arrivé dans la dernière mise à jour du jeu. Si vous venez d'acheter le jeu et que vous vérifiez, sans le mettre à jour, vous verrez pas le Kirbendo. Ils l'ont dans la mise à jour. Bref, donc regardons loterie triangle, voir les prix. Ok. Bah c'est plutôt bien parce que là il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, il reste 10 prix. Donc ça fait que si je joue 10 fois, et bah je suis obligé de l'avoir. Donc allez, c'est parti. Bon bah sauf qu'il faut littéralement que je le joue de 10 fois. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est dans le dernier. Et en plus, il y a des prix quand même un petit peu nuls là-dedans. Enfin, je veux dire, le prix numéro 9, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a mieux, mais c'est pas mal. Mais bon, il y a quand même des prix aussi un petit peu pourris. Donc loterie normale. Heureusement que c'est pas les tickets à gratter. Hein, parce que je me souviens que sur Yo-Kai Watch 2, c'était les tickets à gratter pour avoir Monsieur Felipe, et on avait fait ça en live. Oh, on avait passé tellement longtemps. Je crois qu'on avait passé une heure de grattage. C'était pas ouf, hein. C'était pas ouf, hein. Je vous avoue que j'en ai pas des très bons souvenirs. Allez, on prend ça, vas-y. En plus, c'est nul. Ah, ça, c'est bien. Mais en plus c'est nul parce que le meilleur prix que je peux avoir c'est le cinquième. Et le cinquième bah c'est une clochette de défense. Je l'ai déjà la clochette de défense. Je sais pas, j'aurais bien voulu avoir une clochette d'esprit, une clochette d'attaque. La clochette d'attaque c'est littéralement ce que j'aimerais avoir parce que j'aimerais bien la mettre au dernier Nian Murai. Mais une de défense, bon bof bof hein. Ok très bien, c'était un peu nul hein. Oh ce prix est un peu nul, mais il ne faut pas se décourager. Elle est pas très gentille quand même la mamie là. Il reste quasiment plus aucun prix hein. Là il en reste plus que deux. Mais par contre il y a que deux triangles, c'est quoi cette histoire? Genre on le gagne automatiquement quand on joue le dernier triangle? Comment ça marche? Ah, c'est un petit prix, c'est un petit prix, c'est quand même pas mal les coups secrets. Bon je sais que c'est pas extrêmement rare mais je crois que ça coûte quand même cher, ça coûte 300$ non? Je sais plus. Donc allez, on ouvre celui-ci. Voilà, un objet pourri. Ce prix est un peu nul, je sais, mais alors le dernier triangle il est où là? T'as remporté le grand prix de la loterie triangle. Voilà pour toi le premier prix. Ah je sais pourquoi ils m'ont dit premier prix. Parce qu'en fait effectivement c'est elle qui dit que c'est le premier prix. Mais en fait c'est pas ça le premier prix. Le premier prix c'est le truc qui était top 1. Enfin c'est pas grave. Bref voilà. Donc première étape de terminer. On a fait le plus dur. Parce que la deuxième étape c'est quand même de devenir ami avec Felipe. Felipe ça devrait pas être très difficile. Il aime les Oden. Et il est à la dans les buissons du Mont Sylvestre. Et c'est un rang E. Donc bah je pars à sa recherche. C'est pas le plus dur, mais c'est peut-être le plus long. Je l'ai enfin trouvé. Waouh, c'était chaud. Bah en fait, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir la différence entre les buissons et les arbres. Enfin, en vrai, je sais ce que c'est la différence entre un buisson et un arbre. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que là, en fait, genre t'as plein de zones où t'as genre un arbre qui est sur un buisson. Donc quand t'as la loupe qui s'affiche, tu sais pas trop si c'est un arbre ou un buisson que ça va viser. Et en fait, bah énormément de fois, c'était genre des flamandes, c'est ça, dans les arbres. Donc c'était un peu relou. Bon, j'espère devenir son ami quand même, ce serait bien. Ah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ça va. Ça va. Donc attendez, histoire que le combat soit pas trop rapide, on va faire ça, on va mettre... c'est pas des sukiyaki qui veut, hein, c'est des Oden. Donc des Oden, j'ai un Oden de luxe. T'aimes bien ça, on est d'accord. Attendez, toi tu vas faire ton âme ultime
Comme ça, il attaque pas. Et on va attendre, on va donner un Oden après avec un autre, etc. Parce que, comme ça, au moins, genre, on va maximiser les chances. Parce que, genre, j'ai un petit peu peur qu'il se sauve, lui. Hein. Sans devenir mon ami. Ensablement. Ok, et... Ok, bon, ça fait pas si mal. Oh, non, ouais, très bien. Alors, un autre Oden. Par contre, je vais pas lancer un Oden de plus, quand même. Œuf à la coque, ouais, non, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Sinon, ça se trouve, je deviendrai pas ami avec eux, hein, mais bon, attendez. Juste avant, on va faire quand même le blaster. On va voir si on tombe sur l'amitié, ce serait pas mal. Alors, si on tombe sur la force, bah, tant mieux, on va les tuer très vite, mais j'aimerais bien avoir l'amitié. Parfait, c'est parfait. Alors, je sais pas sur lequel vaut mieux que je tire, parce que je sais pas lequel des deux... sur lequel des deux j'ai donné le meilleur objet, mais je... Aucune idée. Bref, on va renforcer les chances avec les deux. Allez, ça ne vise absolument pas le bon, mais pourquoi pas. C'est bon. Voilà, vous voulez devenir mes amis? Ah, j'espère quand même. J'espère qu'il y en a au moins un qui va me rejoindre. Genre, ils sont rang E quand même. Rang E. Vous m'entendez? C'est super facile, normalement, les rang E. Oui, non, mais on sait que vous vous soignez, mais attaquez aussi mes potes, non? Non, flâner, oui, pourquoi pas, c'est aussi une bonne idée, effectivement. Non, c'est pas du tout une bonne idée, c'est quoi cette histoire? Bon, on n'a pas besoin d'avoir un soigneur. Voilà, pas besoin d'avoir un soigneur, tout le monde va attaquer, comme ça au moins, voilà. Surtout qu'il faut un coup pour les tuer, quand même. Voilà, parfait, on croise les doigts. On croise les doigts, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas toujours de la chance. Ça dépend des fois. Quoi? Fruit défendu. Comment peut-on faire plus rageant qu'un yokai de rang E qui ne devient pas ton ami alors que tu lui as donné l'objet qu'il est censé préférer le plus cher, qui est d'un rare et de deux très cher. Donc c'est quand même pas sympa. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de ma technique d'envoyer des fruits défendus sur des yokai de rang E? Moi je me dis, quand on a 600 fruits défendus, on s'en moque, hein. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. Et bah voilà, bah dis donc, il n'y avait pas de suspense. Hein. Allez, monsieur Felipe, vas-y, on se lie d'amitié et on va... Felipe. Ok, très bien, on va tout de suite aller te fusionner. Hein. On t'aura pas eu longtemps dans notre équipe, Felipe. Enfin, dans notre médaillon, Felipe. Hein. Fusion. Alors, il y a énormément de cailles que je peux fusionner, c'est ouf. D'ailleurs, il y a plein d'objets, je me demandais pour qui ça servait. Bon, pour des yokai que je n'ai probablement pas. Lui, on peut le faire sur pas mal. Non, sur un seul que j'ai. Sable des dunes, quoi? Il y en a tellement de nouveaux, c'est ouf. Bref, c'est pas grave. Alors, Felipe, tu es là. Vas-y, ne flânera jamais. Très bien comme talent, sauf que t'es un rang E. Donc c'est nul. Et voilà, Monsieur Felipe, très bien. Ok, parfait. Bon, allez, maintenant on peut revenir de nuit avec Ariane pour aller continuer notre quête. Je crois que Monsieur Felipe, ça s'écrit comme ça avec le point en plus. Je sais pas si le point est important, hein. Peut-être que si t'écris juste M plus loin Felipe, ça marche, mais j'ai pas voulu tenter, hein. Surtout que c'est tellement la galère d'écrire sur ce clavier que je veux pas tester, hein. On y va comme ça et c'est très bien. Bref, allez, Monsieur Felipe, on t'appelle ici. Et il y a une porte dans le mur, là. Je croyais trop que ça allait être genre un portail mystère. Je me disais, mais normalement, les portails mystères, on les voit pas comme ça. Donc, je sais pas. Il va peut-être ouvrir un accès, justement, là, pour pouvoir monter au 13e étage. Je sais pas trop, on va voir ça. Venez me parler si vous êtes là pour un entretien. Mais oui. Enfin, t'es toujours nul, hein, t'es rancé, donc... Excusez-moi, bonjour, je viens pour un entretien. Bonjour. L'entretien est au 13e, mais on ne peut pas prendre l'ascenseur. Ah, dans ce cas, vous pouvez emprunter les escaliers de secours. Ok. Ah, mais on aurait pu ouvrir la porte toute seule, hein. Tout seul. Oui, merci. Par contre, il va falloir monter 13 étages à pied. Oh là là, je sais pas si je suis prêt pour ça, hein. Je vous en prie, bonne chance pour votre entretien. Franchement, alors attendez, on a galéré à devenir amis avec un yokai pour que ce fichu yokai nous ouvre une porte. Genre, Ariane, elle a pas de main ou quoi? On dirait, hein. Mais si elle a pas de main, c'est pas grave. Il y a d'autres yokai qui en ont des mains. Voyons. Ah non. On va pas vraiment monter... On va vraiment monter 13 étages? Bon, alors dans la vraie vie, ça ne se monte pas si vite que ça, 13 étages. Mais on n'a pas monté 13 étages, là, si? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, un coffre. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Des yeux de chat. Ben, ça tombe bien pour un Nyan d'avoir des yeux de chat. C'est quelque chose d'assez logique, on va dire, non?
Je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Ah non, on est peut-être... Ah non, on est qu'au troisième. Ah, on n'est pas rendu, quoi. On a monté que trois étages. Oula, oula, oula. Mais attendez, mais c'est un donjon, cet endroit, en fait, c'est ça? Quoi? Pourquoi il y a un yokai violet, là? On l'entend marcher? Il est où? What? Je peux aller là, mais je m'en moque. Bah non, c'est pas que je m'en moque, mais... Ok, j'ai pas compris pourquoi il y avait une petite icône violette, c'était bizarre. Ils éteignent pas les lumières la nuit? Genre, c'est pas grave, la planète, tout ça, on s'en moque. Oh, bah... Mais on les connaît, ces yokai, on peut devenir leur ami, d'ailleurs. On les connaît? Ils sont dans Yokai Watch Blaster. C'est ceux de Domnisciant. Je pense pas qu'on puisse devenir leur ami. Non, ils ont pas de rang, ils ont rien du tout. Non, on peut pas. Ouais, bah c'est nul alors. Bah ok, ok, je m'en vais. Surtout qu'en plus, ils avaient peur de moi, donc... c'est qu'ils sont probablement très nuls. Donc non, 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 on s'en va. Mais ouais, c'est dommage qu'on puisse pas devenir leur ami. C'est ouf, parce qu'il y a plein de yokai qui sont super stylés dans le jeu, et genre, tu les rencontres, tu peux les combattre, mais devenir ami, non, non, ça non, ça non. On sait pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Ok... Remède puissant, ça c'est bien. Ça valait le coup quand même, par rapport à ce qu'on a eu au dernier étage. Bon, on est même pas à la moitié. Ah, c'est long. Vas-y, Ariane, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais il y aurait pas un yokai qui nous permet, quand il nous envoûte, de skipper toutes les marches? Ce serait pas mal. Oula, oula, elle a trop couru. J'imagine que moi, de toute façon, j'aurais été épuisé beaucoup plus rapidement qu'elle. Donc franchement, what? Ok, d'accord, très bien. On est au 13e déjà? Ok. Oh, un client! Veuillez excuser l'état d'agitation de nos employés! D'accord. Tu dis ça parce qu'ils nous attaquent et qu'ils essayent de nous tuer? On dirait bien. Non, 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 moi je veux le coffre qui est là-bas. Très bien, merci, parfait. Par contre, ils remettent tous les bureaux à leur place le jour? Parce que quand même, là c'est un petit peu le bazar, hein! On peut le dire! Il y a quoi là? Non, ça sert à rien, c'est pas important. Mais attendez, mais on est au 13e. On n'était pas censé aller au 13e, on va plus haut? Bon, armure, amulette légendaire. D'accord, très bien. Bon, bah on continue, parce que j'ai pas l'impression que ce soit au 13e en fait, ça me demande de continuer. Ah, c'était lui, non? Ouah, patron, je travaillais à plein, je veux dire à fond! Attends, t'es pas... Ah, je m'inquiète pour rien. Je te donne ça si tu me promets de pas dire au patron que j'étais en train de buller. What? Ah bah très bien, un fancy-zat tout à fait random. Bah pas mal, pas mal. J'ai failli ne pas lui parler, en plus j'ai failli me dire on s'en moque, il est pas important, lui il y a même pas la flèche sur lui. Et en fait si. Ok, mais par contre je veux juste un truc, parce que là il y avait l'air d'avoir un objet. Voilà, juste ici. Coque de vedette, mais elle est grave belle. Mais c'est trop beau. Ok, on n'est pas venu là pour rien, mais par contre on est plus au 13e, on est au 14e, hein. Tu vas être en retard pour ton entretien d'embauche! Excusez-moi! Vous devez être là pour l'entretien, bienvenue! Je vous invite à rejoindre le PDG dans son bureau! Ok. D'accord! Et vous êtes? On l'accompagne pour le soutenir! Je vois, alors je vous invite également à vous rendre dans le bureau du PDG. Il vous fera passer l'entretien. Hein? On passe l'entretien nous aussi? Bon, eh bien, allons-y! Elle est belle cette porte, tiens! Il a un beau bureau, lui. Mais de toute façon, je me doute de qui c'est maintenant. Grâce à tout ce qu'on a vu là, c'est obligé que... Bah voilà, voilà, c'est sûr. On va le battre, probablement. Mm-hmm. Tu fais pas de bruit, toi? Ok, d'accord. Salut! Je suis Domnisciant. Quoi? Il a dit je suis innovateur, alors qu'il y a marqué je suis Domnisciant. Petite erreur. Le PDG de cette splendide entreprise! Que l'entretien commence! Ça va être un combat l'entretien, non? Il y a de grandes chances. Alors, tu peux commencer par te présenter. Je m'appelle Watson. Enchanté. Quand les gens se prennent un coup de jus en touchant un chariot, c'est grâce à moi. Oh, c'est à cause de lui. Ok, alors lui, je veux pas qu'il devienne mon ami. Je vois. Un coup de jus? Oui, juste un petit coup de jus de rien du tout. Très bien, et toi alors? Attention, il faut soigner la première impression. Giga cool, on est les détectives de l'étrange. Je suis comme ça, moi. On est les détectives de l'étrange. Je tiens une agence de détectives. Besoin d'enquêter? Appelez-nous. Tu es donc détective, c'est vraiment fascinant.
Nom d'un burger, arrête d'attirer l'attention comme ça! Ne gâche pas mes efforts, je veux le job moi aussi! Maintenant, parle-moi de tes compétences! Eh bien, je peux générer de l'électricité! De l'électricité? En quelle quantité? Oui, à peu près assez pour un petit coup de jus. Ok. Un petit coup de jus? Mes compétences? Non mais attendez, mais ça se fait pas parce que genre le petit Watson, genre on est censé l'aider à avoir son entretien d'embauche, là on est en train de lui voler le job, ça se fait pas du tout hein. Un sens accru de la déduction, ça met Yousapi en colère, je connais tout des Sailor Nana. Je peux citer toutes les répliques des Sailor Nana. Je peux même imiter toutes les voix et fredonner toutes les musiques. Je pourrais vous faire l'intégrale comme si vous le voyiez à la télé. C'est bon, on a compris, arrête ton monologue. Ah ah, c'est beau de s'impliquer autant dans sa passion. Je t'apprécie, vraiment. J'ai l'impression que tu pourrais faire l'affaire. Kirbenda, c'est pas gentil de me voler mon entretien. Ah bah voilà, c'est pas sympa Kirbenda. Bon, le temps presse, alors concluons avec un combat. Un combat? Entre vous et nous? Je sais que c'est peu conventionnel, mais pourquoi pas. Un combat? Oh oh, un combat contre le fameux Domnicient? Vas-y de toutes tes forces, je te prouverai mon sérieux. Pour info, je m'en fiche de perdre. Ok, vas-y de toutes tes forces. Ça me botte bien, je vais tout donner. Ah, j'aime cette motivation. Calme un peu ta joie, Kirbenda. Bien, que les combattants s'avancent. Ok, par contre, Watson, il a littéralement aucune chance quand même. Parce que Watson, c'est quoi? C'est un écaille de rancé, non? Genre contre Domnicient en solo. Je voudrais pas dire, mais je suis même... Je pense, après vous pouvez faire le test, hein, mais je pense qu'un Watson solo, même niveau 99, il peut pas le battre Domnicient. Hein. Enfin, j'ai pas essayé, hein, je préfère pas essayer. Mais je pense bien. Bref, alors qu'est-ce que tu fais toi? What? Il invoque des yokai lui? C'est pas bien gentil ça. Allez, on va utiliser ceci, comme ça en plus on va la tuer la toutouille. Ok. Parfait, allez, voilà, Toutouli, normalement, en un coup, on devrait l'avoir, là, hein. Oh, par contre, il fait mal, hein. En même temps, c'est niveau 80 recommandé, hein, donc, ça va probablement pas être si facile que ça, hein. Ah oui, il a pas perdu grand-chose, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Je m'attendais quand même qu'il prenne un petit peu plus cher. Oh, non, 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 non. Non, 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 ouais, parfait. Rayon Blockbuster. Ah oui, c'est l'attaque qu'il faisait sur Yuka Watch Blaster. Ouais, mais c'est même pas son âme ultime. C'est même pas son attaque la plus forte. Ah, ça doit être ça. Ça doit être moment crucial. Donc, il faut qu'on s'en aille. On ne reste pas devant lui. Sinon, ça risque de faire très mal. Oula, oula. On lui fait vraiment pas si mal que ça. Ça, c'est ouf. C'était même pas son âme ultime. Je suis choqué. Ah, attendez. Non, non, non. Ouais, bah, je peux faire ça, mais... Le problème, c'est qu'on est quand même un peu bloqué là avec les persos. Enfin, je sais pas s'ils vont avoir le temps de bouger. Élevé. Non. On est juste à côté du élevé. Bon, bah, on va pas lui faire grand chose. Hein. Si c'est comme les autres fois contre les autres boss. Ouais, il prend pas très cher. Hein. Je sais même pas si c'était la. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je sais même pas si ça va nous faire gagner du temps. Ça se trouve même pas. Ok, parfait. C'est bon, génial. Fukulokuju va peut-être pouvoir bouger, mais Octorbot, probablement pas. S'il peut. Il peut, parfait. Yes, il a presque perdu la moitié de ses vies, quand même. C'est bien, ça. J'espère qu'il va pas se redonner des vies. Parce que normalement, il a un pouvoir qui fait qu'il regagne des vies. Et ça, j'aime pas trop. Entre vous et moi, je ne suis pas trop fan. Allez, bouge, bouge, bouge. Non. Aïe. Oh, en plus, ça l'a repoussé. Mais ça a annulé son mouvement. Oh, Noko. Noko, Noko. Ça va? Ah, ouais, non, je m'en moque. Ça m'est égal. Bon, allez, 6 points de dégâts, c'est pas énorme, hein, quand même. Hein. Réunion. Quoi? Ah, il invoque quelqu'un, non? Oh, what? Je dois le tuer ou je dois le garder en vie? De toute façon, je pense que je vais pas le tuer. Hein. Je pense que je vais pas les tuer, hein. On sait jamais. Hein. Je vais les laisser... Bah, je les tuerai quand j'utiliserai les âmes ultimes. Mais si... Ouf. Mais sinon, vaut mieux éviter... Adieu Fukulokuju, d'accord. Bon bah alors faut peut-être le tuer parce qu'il est quand même assez violent. Attendez, et Fukulokuju il revient pas à la vie? Son talent c'est normalement qu'il revient à la vie, pourquoi il revient pas? What? Fukulokuju? Attendez mais c'est une blague? Mais attendez mais il y a un problème.
Il y a un bug ou quoi? Fukuro Kujo, il est censé revenir à la vie. Je comprends pas. Qui est mort là? Ok, bah ils sont presque tous morts là, c'est assez ouf. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé avec Fukuro Kujo, c'était extrêmement bizarre. Je... Ça avait pas de sens. Non. Oui, il peut toujours pas refaire son âme ultime. Il est pas si facile que ça, hein. Seigneur Edma, il va mourir. Non, c'est bon. C'est bon. Parfait. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est remettre la position qu'on avait au début. Parce que c'est quand même la meilleure. Ça, ça fait trop mal. Ça va, ça va. Edma, il peut faire son âme ultime. Non, non, c'est pas lui qu'il faut qu'il la fasse. Vas-y, oh non, 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 stop, stop, stop. Ok, âme ultime de Edma. Non, 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 non. Faut qu'on la fasse au plus vite parce que les mecs sur le côté, ils sont sacrément embêtants. Voilà, parfait, parfait, parfait. Allez, allez. Ouais, les mecs sur le côté, c'était le pire, je crois. Ils sont assez chauds. Mais après, je pense pas que je vais perdre, hein, parce que j'ai toujours un objet pour ramener tous mes yokai. Ils sont pas morts? Mais attendez, mais là, il va regagner ses vies, non? Qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Bon, ouais, avec un en moins, c'est déjà bien. Mais là, je peux pas le taper, en plus. Ah, il faut que je récupère l'objet, c'est ça? Ah oui, il fallait tuer le mec pour récupérer l'objet, d'accord, ok. Ah bah ça va, c'est assez logique en fait. C'est comme sur le Kawash Blaster, très bien, très bien. Bon bah c'est cool. Parfait, toi tu te remets devant, on se met dans cette position. D'ailleurs Octorbot, tu peux peut-être en profiter pour faire ton âme ultime. Allez, allez, allez! Plus vite. Voilà, c'est pas... Oula, il met pas longtemps à se réveiller lui, hein. Pisto Dragon! 264, ouais c'est pas énorme hein, c'est pas énorme. L'autre je vais le garder en vie. Non je vais peut-être pas le garder en vie, ouais je vais le tuer parce que ce serait mieux qu'il y en ait avec les pistolets. Parce que ceux avec les pistolets c'est ceux dont j'ai besoin pour détruire son truc. Donc vaut mieux tuer ceux qui ont l'épée. Parce que sinon après on en aura peut-être plus avec on en aura peut-être plus avec le pistolet. Allez allez allez. Enfin à moins qu'il refasse pas sa sieste, ça se trouve il va pas la refaire du combat. Mais on sait pas donc vaut mieux quand même prendre nos précautions. Allez, tuez-le! Mais pourquoi ils attaquent jamais? C'est ouf, ils sont grave lents. Ah, ça c'est bien. Voilà, parfait, parfait. Alors, ce que je peux me permettre de faire maintenant, c'est l'âme ultime. Parce que comme ça, ça ne va pas le tuer, de toute façon. Et comme ça, après, on le tuera rapidement quand... Enfin, je parle de celui de droite. Celui de droite, comme ça, ça va pas le tuer. Et il n'y aura plus qu'un coup à lui donner pour le tuer quand l'autre, il refera son attaque spéciale. Ok, on se remet en bonne position. Aïe. Aïe, pauvre Enma. Enma, il va pouvoir bouger. Ouais, il peut, il peut, il peut. Très bien, parfait. Tu bouges? Oui, 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 ouf. J'ai eu peur. Encore une fois, j'ai eu un petit peu peur. Il est chaud, ce boss, hein. En temps, dans Blaster, il était déjà chaud, hein. Il rigolait pas, hein. Ok, deux avec le pistolet. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. J'aurais tendance à dire que non, quand même. Ah. Bon, alors, faut le tuer, lui. Allez, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Parfait, parfait. Non, 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 il va se réveiller, il va se réveiller. Voilà, très bien, très bien, très bien. Allez, attaquez. Ok, genre, ça mettait trois plombes, je comprenais pas ce qui se passait. Faut que je réutilise le blaster, hein. Parce que, ah ouais, mais non, mais si je réutilise le blaster, je risque de faire des dégâts à l'autre et j'ai pas envie. Non, 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 on va pas utiliser le blaster. Par contre, on peut utiliser l'âme ultime de lui. Et ils sont mal placés, mes yokai, là. Ça aurait pas dû être dans ce sens-là. Allez! Ce serait bien qu'on le tue avant qu'il puisse refaire son pouvoir, hein, quand même. Oh là là, tous les dégâts qu'on prend, c'est ouf. Vas-y, Enma. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, là on peut utiliser l'âme ultime d'Enma. Comme ça en plus on aura fait beaucoup de dégâts aux deux avec les pistolets. Donc ça c'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Mais tout ce qu'on prend comme dégâts, c'est ouf! Quoi? Oh non, c'est trop tôt! Mince! J'ai fait critique ou quoi? Attendez, c'était pas prévu. Je sais pas si le pistolet va rester en place, mais c'était pas du tout prévu. Ah bah ok d'accord, en plus c'est au mauvais endroit donc bon bah faut qu'on se débarrasse des pistolets. Très bien. Et ce serait bien qu'on le tue au plus vite.
Ouais, non, non, ciblez-le. Là, il est presque mort. Il est presque mort. On peut l'avoir. C'est bon! Ouf! J'ai eu peur. Oh mon dieu. C'était pas simple. Ah là là. Bah, en même temps, ça se voit que c'est un boss de niveau 80. C'est peut-être le deuxième boss le plus fort du jeu, hein. Juste après le Carmagister. Hein. Bref. Tu es exceptionnel. Le poste est pour toi. Hein? Mais non, enfin. Le candidat, c'est Watson, pas moi. Oh, vraiment? Que faire, alors? Vous hésitez? Je pensais que le grand omniscient serait plus avisé. Oh? Ne voyez-vous pas le potentiel de ce yokai? Il étincelle de talent. Quel beau jeu de mots. Et pourtant, il garde la tête sur les épaules. Pas comme moi. C'est vrai. Alors, c'est décidé. Vous voulez dire que... Tout à fait, Watson. Tu es embauché. C'est vrai? Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Phew, tout est bien qui finit bien. Yeeha, une autre affaire résolue. Ok, très bien. Bah, c'était pas si difficile que ça, alors. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai toujours admiré Domnicient, et maintenant je travaille avec lui. Il n'y a pas de quoi. Pendant une seconde, j'ai cru que Carbenda allait te piquer le job. Mais au final, je l'ai eu. Je vais m'impliquer à fond. Ok, c'est fini? Que se passe-t-il? Carbenda Célestin. J'espère avoir l'occasion de me mesurer à nouveau à toi. La prochaine fois, je ne te ménagerai pas. Parce que t'as eu l'impression de m'avoir ménagé, là? Qu'est-ce que ça va être, alors? Oh mon dieu. J'ai un petit peu peur. À la hauteur du job. Bon, qu'est-ce qu'on gagne comme récompense? Probablement un truc pas ouf. Ah, c'est pas une partie d'Originian? Je crois que c'est une partie d'Originian. Mais ouais, là, on gagne beaucoup d'XP. Bah ouais, ouais, on les mérite quand même, hein, vu ce qu'on vient de faire. C'était assez ouf. Ouais, ceinture de Jibanyan et borne d'arcade? Je vais aller voir ce que c'est. C'est pas un truc pour le bateau, si? Peut-être. Je sais pas. Ah, très bien! Oh, parfait. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Bref, alors, ce nouvel objet, c'est quoi, donc? C'est un objet clé, une console de jeu que papa adorait quand il était petit. C'est quoi, en fait? Ça sert à quoi, tous ces trucs? Je sais pas, c'est pas le musée qui recherche encore des trucs anciens? J'en sais rien. Bref, les amis, eh bien, nous, en tout cas, on va en rester là pour cette vidéo de Yo-Kai Watch 3 en français. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!